Salut les amis, c'est Chassopus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour la conclusion de la troisième saison de The Walking Dead, la montée vers l'échafaud, c'est le titre du dernier chapitre. Et écoutez, pas de, évidemment de limite de temps, même si ça ne veut plus dire grand-chose, parce que vraiment, c'est... Mais j'y reviendrai durant le débrief du Let's Play. Ça a été très anarchique, hein, la durée des épisodes. J'ai été obligé de mettre sur pause, hein. Pour essayer quand même de respecter un minimum les délais. Donc effectivement, on est sur la fin. On a décidé avec Kate et Clem d'aller sauver Richmond. Essayer en tout cas de sauver un maximum d'habitants. Tandis que David est parti avec Gabe tenter sa chance. On va voir comment tout ça va se terminer. Trip est mort, malheureusement. Hein, ça, bon, on n'a pas pu le sauver. On se doutait bien en voyant comment il fallait passer, c'est-à-dire en s'accrochant aux pales d'un hélicoptère. On voyait bien qu'il était un petit peu trop fort, hein, que ce serait difficile pour lui de passer de l'autre côté. Bref, c'est comme ça, hein, il y a toujours des pertes. On va voir. Bon, il y aura le débrief rapide, hein, de la saison et du let's play. Donc, comme j'ai dit, pas limite de temps. Allez, on redémarre tout de suite. Reprendre le jeu, je regarde juste quand même, si tout fonctionne bien. Oui, ça a l'air de fonctionner. Allez, est-ce qu'on est loin de la fin du jeu? Je pense pas, hein. Je pense que peut-être il reste encore des choses. J'espère. There's a happy sight. Can you help us get the gate open? Almost didn't recognize you, Jesus. Bah ouais. Once I got in contact with my people, I headed right back. Had to make sure you folks were safe. I think I'm getting the hang of this. We'll keep the muertos away. Just get me to the gate so I can open it up. I got your back, Javi. Get in the busket, and I'll lift you to the top of the gate! Busket? The thing in the front! The scooper thing! Whatever, get in it! I'll keep them off you! Possible. Allez! Baby croquet! Bien. Yuck! Oui, ouais. Javi, the busket! Right! Yeah, Busket. Nice of you folks to drop by. Elle est, on dirait, un chevalier, quoi. Une unité. I'll have it open in a second. Couldn't just have an open gate button. Nope. Okay, never pull that lever again, Javier. Definitely not. Ah, shit. Are you trying to attract even more walkers? No. C'est quoi leur truc là? Quand même. Évidemment, c'était le dernier. Appuyez sur un bouton, très bien. Let's get inside and wrangle the walkers together. If we get them in one group, we can lead them right out. Bon, bah, on a fait. Je pense, le bon choix. Full steam ahead. Ah,
carnage. Bon, après, ils sont déjà morts. Too many. Try the other setting. Ah non, je sais pas. Ah non, non, non. Ah bah non, je sais pas. Oh là, je suis bloqué dans le jeu. Oh non, mais ça marche pas là, la touche shift. Je vais essayer, mais... Si ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher si je maintiens. Ça marche pas pour courir, mais ça marche pour la mitraillette. Non, ça marche pas. On va beaucoup s'amuser. Pourquoi ça marche pas, là? Ça marche une fois, puis ça marche pas la deuxième fois. Super. Faut rester... Ah, faut pas rester appuyé, faut appuyer en permanence. Vas-y, vas-y. Shit, I'm empty. Here, take over. Je veux vraiment pas faire un seul épisode où je fail pas. Hein. C'est terrible. Here we go. Ouais. Moi j'ai cru que j'étais bloqué. Ça vient pas, ça débarrasse. That's it. Let's get out of here. Ok, on a bloqué l'entrée. Jesus, over here. We need to round up these walkers. Head them towards the gate. Welcome back. I thought we were coming back to well, not to this. It's just a little surprising. That's all. I'm just glad you didn't give up on us. Real glad. I gave you my word. Javi, we have to go after Gabe. These guys can take care of the rest of the walkers. Go, Javi. I'll help out here. Okay. Let's go, Clem. Ouais, non, je suis désolé. Et je vais revenir durant le débrief. J'ai vraiment pas fait une très bonne partie. J'ai échoué beaucoup de fois, je trouve. Pour un jeu quand même simple. Vraiment, c'est dommage, c'est mort à répétition. C'est dommage aussi, ces chargements de 3 heures. Allez! Oh là! Voilà, David, terminé. Dis pas Gabe, c'est fini. Oh là là. Gabriel. Oh, please, no. I. No. No! I tried to stop him, Javi. Oh, no, 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 no. That's when we crashed. God damn. David! He fought for me, Javi. Until they... But I couldn't. There were so many. I fucked up. After everything you taught me. Oh, it really hurts. T'as pas merdé, t'as fait ce que t'as pu. You didn't fuck anything up, buddy. You fought as hard as you could.
I'm proud of you. I tried. I really did. I know. No, Gabe. No. Do me a favor, Glenn. Gabe, no. Take my cards. What? My playing cards. Grab them. TJJ Euchre. Okay? Okay. I always thought I'd be alone. Then I met you. Bye, Clem. Give me your gun, Javi. I don't want it turn into a muerto. Gabe. Dur. Gabe, I don't know if I can let you do that to yourself. And I can't make you guys do it for me. Just give me the gun. Hurry. Javi. Okay, Gabe. Here you go. You may not be my father, Javi, but you are a great dad. Oh, yeah. Please, walk away. I don't want you to see this. Okay. Bye, Javi. Bye, buddy. I love you. I love you, too. I'll say hi to Mariana for you. C'est la fête. Ouais, non, c'est rude. Je sais pas comment Kate va réagir. 3 jours plus tard. Ah, on fait un petit saut dans le temps. I'm glad you helped me, Javi. But I can't stop wondering how things might be different if you hadn't. Maybe Gabe wouldn't be with Mariana right now. They deserved better, Javi. Better than us. Gabe. Mariana. We need to move on. Pour survivre. Gabe. He would have wanted us to. We have no idea what you would have wanted. Not anymore. Usually the quiet scares me. What about now? There's a lot of work to be done. The herd could come back. Still, though, I feel more calm here than I ever did in an old van on streets with no streetlights. We earned this, Javi. We earned feeling calm in the quiet. Let's start a family. You and me. A fresh start. What do you say? I think it'd be good for us. You're on. Let's start a family.
You don't think it's selfish? It's not the safest world outside of Richmond. Or inside it, truth be told. So long as I got you, I'm not too worried about it. We'll be up there before we know it. Better do something worthwhile in the meantime. Non, c'était émouvant, comme quoi, bah, beau dire, on n'arrive pas à ne pas s'attacher, même Gabe, c'est ouais, t'es quand même attaché, quoi. Heading out? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. Je t'aime bien, Jésus. I admit, man, you're a fucking badass. Dit-il en sortant de l'église. You're a real charmer. You know that, through and through. Ça est cool ton armure. Meant to tell you, that armor you got is great. Well, thanks. It gets the job done. I don't meet a lot of people like you, Javi. Someone genuinely good. It was my pleasure. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. Si je reste. I don't know if I'm gonna stick around. Richmond and I have had issues. Understandable. But if you do, after dust settles, people start looking around. They may look at you for what to do. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. Qu'est-ce qu'on fait? Elle avait l'air de vouloir vendre une famille, Kate. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Jamais. So you're out of here too, huh? Yeah. It's time. I have to find AJ, Javi. Bah oui, quand même. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Mm-hmm. I used to do this for my niece. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? Not your business. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little? Qui pourrait t'oublier? Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah. Maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. It's not about good or not good. You kept him alive. You did your job. Until someone else had to do it for me. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it.
He told me you fucked it all up too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, you figure out the pieces you need versus the ones you liked. If you're ready to move on, that is. If. All done. Well, how's it look? Ouh là 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 là, c'est conceptuel. You know what? I'll grab your hat. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? Comment ça, laisse-le tranquille? You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Ouais, là, c'est horrible la coupe. Hein. C'est peut-être ce qu'il y a de plus horrible. Hein. Le manque de talent de la coiffure de Ravir. Ah d'accord, ah ça se termine comme ça. Hein. Ok. Ah oui, ça se termine de façon très convenue. Hein. Ok, bon on va regarder ce qu'ils nous disent. Notre expérience avec survivants a été survivant, c'est David, tu veux bien. Empathique. Ouais, entre guillemets. Avec Kate, c'est mitigé. Bah, au début, j'étais un peu sur la retenue, quoi. Bah, mitigé, mais tout est dans son sens. Au début, ouais, j'ai été volontairement sur la retenue, mais après, on était ok, quoi. On va être avec elle. Avec Gabe, on a fait ce qu'on a pu. Pas facile, les amis. Ouais, on a. C'est plus du côté, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, on a pardonné à Eleanor, ouais. Ok. Va. Bon, ça nous rappelle ce qu'on a fait, hein, mais bon, après. Jesus. Ouais, Conrad, non, bah, Conrad, on pouvait pas se sauver. Ah oui, voilà, je me posais la question, mais j'avais, comme des fois ça m'arrive de louper des trucs, comme justement, je pensais que David avait été mordu au début du jeu, alors que pas du tout. Mais je me posais la question, mais Joanne, on l'a pas vu mourir en fait. Actuellement, personne ne sait où elle se trouve. Effectivement, pas tellement important. Est-ce qu'on est monté ? Oui, quasiment tout le monde est monté, forcément. Ouais, on a dit la vérité, bah vaut mieux, hein. Ah, il y en a qui ont décidé de pas de se laisser tabasser. Bah, au début, j'étais ok pour pas me défendre, mais au bout d'un moment, il avait pris une clé à molette. Non. On est resté avec Kate, ça aussi, c'est logique.
lors de ce moment difficile, mais lequel? On ne sait pas. On ne sait pas. Notre Clementine est devenue une amie dévouée. Bah ouais. C'est quand même le grand personnage, hein, vraiment. C'est vraiment la... Ah, peut-être une scène post-générique. Retrouver. Ah, l'histoire n'est pas terminée, bah, on sait, il y a une ultime saison. Une ultime saison qui va arriver. Que je vais enregistrer très très rapidement. Et bah, d'ailleurs, on va y retourner tout de suite. Tout de suite. Ouais. Pour aller voir le synopsis pendant que je vais faire le débrief rapidement. Hein. Parce que effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fait encore un épisode très très court, mais ça fait partie du débrief. Donc, on va regarder juste. Voilà, la première avec Lee, la deuxième. Ouais, où on incarnait Clem. Donc Nouvelle Frontière, qui était pas mal, qu'on va débriefer. Et donc voilà, l'ultime saison. Ah bah Adji est vivant, elle est dessus, bah, ça nous spoil. Après de longues recherches, une école reculée pourrait accueillir les jeunes survivants Clémentine et Adji, mais la protéger demandera un sacrifice. Ok, et puis il y aura l'espèce de saison supplémentaire, de spin-off on va dire, avec elle. Ok. Donc oui, c'est vrai que... Alors on va débriefer la saison rapidement. Bah, ça partait très très bien, et puis il y a eu un ventre mou, et puis la conclusion est un petit peu convenue, on va dire, même si le dernier chapitre est sympa. Donc, je veux dire, pas mal, mais pour l'instant, vraiment, c'est la toute première avec Lee, qui est vraiment au-dessus, hein, je trouve. Alors après, attention, c'est-à-dire que je trouve la première saison avec Lee formidable, c'est-à-dire vraiment extraordinaire. Les autres, je les trouve en dessous, mais ça reste d'excellents jeux. Et vraiment, vraiment j'ai bien apprécié. Alors après, c'est une question de point de vue. Effectivement, je pense que c'est pas mal d'avoir innové en ayant un nouveau personnage, ouais, Ravir. Mais quand même, et je pense que j'ai pas été le seul, à mon avis, à le penser, on regrette de plus être vraiment Clementine, parce que c'est vraiment elle le personnage central et le personnage fort, quoi, de cette série de jeux. Et finalement, c'est quand même assez convenu, hein. Puis il y a pas mal d'histoires d'amour, machin. C'est pas, c'est sympatoche, quoi, on va dire. C'est sympatoche. Après, bon, il y a des beaux moments d'émotion, quand même. Hein. Bon, alors, voilà, justement, ça illustre ce que je viens de dire, notamment dans un flashback avec Clem, la mort de Jane, quoi, ce suicide. Hein. C'est terrible. Et bon, il y a aussi la mort de Gabe qu'on a vu aujourd'hui, qui était effectivement assez tragique. Bon, on s'attache quand même au personnage, mais comme je l'ai dit aussi également, il y a quand même des soucis de cohérence psychologique. On passe par tous les états et ça, on va dire, on passe d'une situation à une autre et il y a des personnages, c'est pas vraiment cohérent, quoi. Bon, ce personnage de David, on essaie de le sauver, mais c'est difficile. Un coup il rentre dans le rang, un coup il répète un plomb, un coup Gabe il est avec son père, un coup il l'est plus. C'est vrai que c'est assez spécial, quoi. Trip, bon bah il nous pardonne quand même assez rapidement, alors que bah franchement on l'a condamné à mort. Donc c'est pas totalement abouti. Les QTE sont bien, bon alors je vais en venir. Ah oui, alors, quand même point positif, je trouve que le jeu est un petit peu plus beau, hein. Vraiment, c'est très agréable.
même si ça reste parfois certains déplacements un peu erratiques, on va dire. Non, c'est des beaux jeux, c'est des belles BD interactives. Là, c'est vraiment de la bonne facture. Il y a quelques coquilles encore, mais c'est vraiment marginal. Moins qu'avant, hein, des coquilles dans le texte. Quelques lignes de dialogue qui sont pas traduites, mais après, c'est vrai quand même que c'est une édition ultime, quoi, remaster. C'est un peu dommage de trouver quand même ces petits bugs. Mais bon, là, je chipote parce que globalement, ça reste vraiment de très très bon niveau. Même si, je le répète, hein, je reste quand même pour la première saison, qui est vraiment au-dessus pour moi. Avec cette relation tellement bien écrite et tellement touchante et forte entre Clémentine et Lee. Et puis je trouvais beaucoup plus cohérente et beaucoup plus tenue. Là, c'est un petit peu court, un reproche quand même qu'on peut faire à cette saison. C'est quand même un petit peu court et pas toujours très cohérent. Mais attention, on s'attache quand même. Hein. On a de belles émotions également. Et on a des beaux moments d'action, même si j'en viens au débrief du Let's Play. Franchement, j'ai pas été très bon. Alors déjà, oui, techniquement, bah désolé, hein, bah ceci explique cela. Le jeu est sans doute un petit peu plus de mémoire, je ne sais pas, parce qu'il est un petit peu plus chiadé, quoi, on va dire. Donc ça rame, les temps de chargement sont un petit peu longuets. Mais bon, après le jeu, oui, est très très beau. Et puis moi, surtout, ma partie n'a pas été bonne. Je suis mort beaucoup trop souvent pour un jeu. Ce type de jeu est quand même assez simple, au gameplay assez rudimentaire. J'avoue que j'ai pas été bon. Je me le reproche. Et puis, alors évidemment, comme le jeu a une durée assez courte, j'étais un peu, justement, c'est qu'à le dire, pris de court et j'ai mal géré les épisodes et les let's play. Let's play a été un peu anarchique, quoi. Les durées d'épisodes. Il y a des moments où j'étais, au niveau du commentaire, plus dedans que d'autres, j'avoue, hein. Parce que oui, c'est quand même assez convenu parfois. Et j'étais pas toujours très attentif. Et puis bon, bah, il y a des moments où évidemment on essaye de pas trop commenter pour laisser l'histoire. Mais bon, voilà, on va dire globalement une bonne saison et un let's play plutôt moyen. Mais vraiment une bonne saison et en tout cas la confirmation, justement paradoxalement, que bah, Clémentine, c'est vraiment le personnage du jeu, quoi. C'est vraiment celle qu'on a envie de suivre, celle qu'on a envie d'incarner. Alors, est-ce que ça va être le cas lors de l'ultime saison qui va suivre? Mystère, on verra bien. Mais effectivement, j'espère revenir vers quelque chose de plus classique et arriver à faire une meilleure partie, hein, lors de la quatrième et dernière saison. Même si ce ne sera pas le dernier essai, hein, puisque effectivement, je ferai évidemment le petit spin-off là, avec le personnage Michonne, hein, s'appelle. Après, c'est vrai que, alors, je reconnais, hein, c'est ma limite. Je ne sais pas par rapport au comic d'origine si ça le respecte plus ou moins ou pas. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Donc, peut-être que les puristes me trouvent peut-être un petit peu trop gentil en disant que oui, c'était quand même une bonne histoire et que un peu convenu. Je sais pas. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette troisième saison, même si je les trouve un petit peu courtes. Et parfois, il y a une baisse de tension quand même, honnêtement, à partir du troisième chapitre, qui est en fait le deuxième, puisque le premier est séparé en deux. Une petite baisse de tension, mais ça revient bien. Et puis finalement, c'est relativement satisfaisant et on a vraiment, vraiment envie de continuer et de continuer notamment avec Clem. Bah écoutez, soyez attentifs, je ne vais pas diffuser tout de suite, je vais enregistrer pratiquement tout de suite. Hein. Je vais enchaîner très rapidement l'enregistrement de l'ultime saison, mais je ne diffuserai pas tout de suite comme d'habitude, je laisse un petit peu de temps, même si ça fait des let's play un petit peu courts, en espérant quand même que l'ultime saison soit un petit peu plus fournie, un petit peu plus dense. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on revoie, peut-être, hein, qu'on revoie Ravir et Kate. Hein. Je pense qu'on va les laisser, on va les laisser à Richmond, quoique. Mais c'est pareil, quoi. C'est comme Ava. Il y avait du potentiel dans ce personnage. Alors après, c'est peut-être de ma faute, hein, peut-être qu'on pouvait la sauver, mais ça se termine très vite. Et puis, est-ce que Jésus, on va le retrouver ou pas? Un peu spécial comme personnage. Mais j'ai quand même bien aimé et j'ai hâte de
de pouvoir effectivement achever ces let's play et notamment d'entamer l'ultime saison. Soyez attentifs, soyez au rendez-vous hein, pour poursuivre l'aventure, puisque évidemment, hein, je le répète, je fais tout d'un coup avec une seule sauvegarde hein, pour garder toute la cohérence à l'ensemble des let's play, quelle que soit l'appréciation diverse qu'on peut porter aux différentes saisons. Et on va dire mon absence de skill plus ou moins prononcée lors de ces dites saisons. J'essaie de garder une cohérence. Donc, soyez bien attentifs. J'espère que vous avez apprécié. Et donc, que vous serez là pour l'ultime saison très prochainement sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao !